On lance Signalis. On se réveille dans un vaisseau spatial qui s'est crashé. Après un peu d'exploration, on tombe sur des documents. Par exemple, celui qui fait office de tuto en nous expliquant que nous sommes une réplica, c'est-à-dire une copie humaine. Ou bien celui qui nous dit qu'on est dans un vaisseau bon marché. Ça me fait comment ils disent « Oh, c'est un vaisseau bon marché, oh, mais c'est cheapos !» Genre dans le manuel, imagine t'achètes un truc, ils font « Ah, c'est de la merde, hein, mais c'est pas cher !» Ou bien le Y avec un Q. Tu peux le faire tourner. Ouais. Du coup, rouge, c'est activé. Oui, ouais. Je pense. C'est un Y avec un Q. La belle façon de dire. Alors, c'est un Y avec un Q. Parfait. D'ailleurs, cette photo est très importante, car il nous donne un objectif très clair sur ce qu'on doit faire. Retrouver notre supérieur, une gestalt, c'est-à-dire une humaine, du nom de Ariane Young. On trouve la clé de SAS, ce qui nous permet de quitter cet endroit. Putain, s'il bouge au câble. Il va me sauter à la gueule. C'est sûr qu'il va me sauter à la gueule. Okay, ah non. Oh, le logo, ça fait très communiste. Je te jure, c'est très bizarre, j'ai l'impression que c'est genre... Et si l'URSS avait gagné? Ouais, genre dans le futur lointain. Et c'est un peu à 1984, parce que dans 1984, c'était une critique de communisme à la base. Enfin, à la base. Oui. Puis après, il y en a qui se disent, non, en fait, c'est une critique du capitalisme, à la fin, c'est une critique de tout. Mais c'est juste une critique des systèmes autoritaires, en général. Après ce bref moment, moi et mon pote, on tombe sur une étrange salle au fond de ce qui ressemble à un réacteur nucléaire, je sais pas. En tout cas, cette salle nous a pas mal fascinés. Oh, un bouquin. Quasiment sûr qu'ils sont interdits désormais. Oh! Oh putain, le drapeau! Oh! Le drapeau national, c'est l'Allemagne, mais avec un truc cuir. C'est l'Allemagne de l'Est! L'Allemagne de l'Est. Oh, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que... Ouf. Un coffre lourdement gardé. Ça me fait peur. Il y a plus de trous là, on est d'accord, je suis pas fou. Tu n'es pas fou. What the fuck. Puis après on prend ce livre, qui se nomme Le Roi en Jaune. Qui est un livre qui existe. Il s'agit d'un recueil de nouvelles baignant dans une atmosphère oppressante et étrange. Oula. Merde, on est des traîtres à la nation, on va se faire tuer. C'est ça, on est des traîtres de la nation, putain. Juste parce que j'ai pris un bouquin. On est pour le capitalisme. Ouh. Arton. Oh putain. Attention, attention. 3, 9, 4, 8, 6. 3, 9, 4, 8, 6. Oh là. 6, 0. 1, 7, 0. What? Wesh. 3, 9, 4, 8, 6, 6, 6, 7, 0. Je suis pas sûr que ça, qu'on ait besoin d'apprendre par cœur. What? Oh, ça fait peur. Putain, je vais monter une vidéo de l'or après ça. C'est sûr. Ah oh, putain, il y a un super rouge. De grands trous sont creusés en secret, là où les roses de la terre auraient dû suffire. Ah. Où les pores de la terre auraient dû suffire. Ouais, elle commence à saigner sa mère, what? Putain. Wesh. C'est un robot. Oui. Oh putain. Et les choses ont appris à marcher, celles qui auraient dû ramper. Tu te souviens de mon âme, ça? What the fuck? Wesh. Quel lore. Let's go. C'est qui? C'est l'autre qui était sur la photo. Oh putain. Je crois. Réveille-toi. Il y a eu une erreur. Comment ça, erreur? On s'est fait reset. Sierpinski. Sierpinski, what the fuck. Putain, l'ambiance du jeu, elle est incroyable. Oh, c'est vénère, wesh. Je te jure, t'es... T'es dedans, là, je suis dedans. Synchronisation. Chapitre 1. Capital One. Synchronizat. Oh. Je suis en train de me faire relancer. LSTR. Kasa... Ah, chipset modèle Kasasagi. Ok. Ouais. C'est d'autres prénoms, là, ou... Kasasagi. Ce nom est sûrement important. En tout cas, le jeu commence vraiment. Je profite avant de passer à la suite, cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer Signalis. Voilà. Il existe une tonne de vidéos sur YouTube qui cherchent déjà à faire ça. Moi, je vais plutôt vous raconter l'expérience que mon ami et moi avons vécue. Alors, si vous vous retrouvez avec plus de questions que de réponses... Oui, nous aussi. Reprenons. Nous sommes arrivés à Sierpinski, je sais pas comment on prononce, une installation souterraine. Par ailleurs, on se demande dans quelle timeline nous sommes. Est-ce qu'on est dans le passé? Le futur? Une timeline alternative? En tout cas, c'est ce qu'insinue la photo. Ah, c'est pas la même personne! Quoi? Et là, elle s'appelle Alina Seo et pas... Yung, je sais plus quoi, là. Mon pote continue d'avancer et on tombe sur deux trucs plutôt marrants. Trop.
Oh putain, regarde la caméra. Ah oui, la caméra qui te suit. La règle des 6. La règle des 6. Oh, je connais encore mes... Souvenez-vous de la règle des 6, n'emportez jamais plus de 6 objets avec vous. La propriété privée est un privilège. C'est comme ça qu'ils justifient notre inventaire, ces fils de pute. C'est qu'on a des restrictions. Après cela, on tombe sur des documents qui démontrent la condition des travailleurs de l'installation. Ainsi que cette télévision. C'est une sauvegarde, si jamais. Oh putain, j'ai eu peur. Alors sauvegarde de ouais. Putain, j'avais tellement oublié que la sauvegarde fait peur. Je me suis dit, merde, tu mords. On nous dit aussi qu'il ne faut pas courir dans les couloirs, pour ne pas faire chier les autres. Mais... La caméra, tu me vois là? Je fais un footing. Puis on tombe sur une unité star. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi elle sert, mais en tout cas, elle est blessée. Elle nous explique qu'on doit quitter ce lieu, car cette installation est perdue. On lui demande des informations à propos d'Alina Seo, qui est devenue la nouvelle personne qu'on recherche. Et Star ne sait pas, mais elle suppose qu'elle doit être tout en bas, dans la mine. Elle pense même qu'elle est morte à l'heure qu'il est. Ouais. On prend bien note de cette information, et on part. Ok, faut trouver une microfiche. Ah, c'est un miroir. Oh putain, j'ai eu peur. C'est un miroir. On a attendu le petit... Ah. Dans cette salle, il y a un document qui parle de la langue et des mots qu'on ne peut plus prononcer. Par ailleurs, la dernière phrase est terrifiante. N'oubliez jamais, notre langue modèle notre monde. Un monde parfait requiert une langue parfaite. Waouh. Ça, c'est comme dans 1984 aussi. Ouais. Oh, t'as le machin langue... Qui est la nouvelle langue que les gens apprennent petit à petit, qui est une langue qui a été conçue pour que tu puisses même pas te rebeller dans la langue, genre ouais. La rébellion et tout ce truc là n'existe pas. Putain, waouh, vénère. Le flingue Bouscou. Et là, du coup... Oh, le laser. Ah, c'est cool. On tombe sur nos premiers ennemis, c'est-à-dire ces trucs là. Mon pote ne peut pas s'empêcher de tirer comme un taré alors qu'il faut laisser le viseur charger son tir pour tuer plus rapidement et en utilisant le moins de balles possible. Oh, t'as déjà dépensé 5 balles. Mais moi je suis un policier américain, j'en ai rien à foutre. On est à la nation là, la nation. Ah mais moi je m'en fous, moi je suis chaud. Non mais faut savoir que quand je joue à des jeux d'horreur, ce genre de truc, tout le je temps suis parano, je suis prêt au moins de moment et surtout je ne sais pas économiser les balles. Oh, moi je suis un policier américain, je panique. Dans la merde. On croise une fille gestalt du nom de Issa Ito. Elle semble être à la recherche de quelqu'un, elle aussi. Elle nous souhaite bonne chance et quitte l'endroit. Intrigant. Soit, je sais pas, un mot qu'on peut... si tu souviens. Oh putain. Puis on descend d'un étage. Ion Angle. Oh. Oh, y a de l'ennemi, clairement, y a de l'ennemi. Oula. FBI. Putain, il est bien ce jeu. Nous voilà à l'étage moins 2. On remarque qu'il y a un ascenseur ainsi que des objets. Mais on ne peut rien prendre car... Ah putain, merde! On a trop d'objets sur nous, mec! Putain, imagine t'es codé pour juste avoir 6 trucs sur toi. C'est super chiant. On a trop d'objets sur nous. Putain. Et en même temps, ils l'ont dit, hein, c'est un privilège, mec. T'as pas le droit. T'as le droit d'avoir un flingue, mais t'as pas le droit d'avoir genre 6 flingues. Je te jure. Donc on continue d'explorer la zone. Dans les dortoirs des ouvriers, on y trouve des notes et des documents qui parlent du fait que les protecteurs cachent quelque chose. Quelque chose de grave. Il y a aussi la note « Rouelez de coups de pied, rouelez de coups de pied, rouelez de coups de pied !» Je crois qu'on a saisi. Calme-toi, tranquille, prends une balle anti-stress, je sais pas, fais quelque chose. Et on tombe sur le journal d'Alina, la fille qu'on recherche. Elle explique qu'une grippe a commencé à se propager, et elle espère également qu'Elster va bien. C'est nous, Elster, si jamais. Ah, il y avait une menace de fou, là, dans le... Et ça parle de maladie, aussi. Ouais, ouais, soit un sort de virus, un virus informatique... C'est le coronavirus. Peut-être c'est un truc à la genre zombie, etc. C'est possible. On réalise une petite énigme pour ouvrir une porte, et on commence déjà à... Ouais, faudrait que je mette l'image, parce qu'on l'a... Ah, quoique, faudrait le garder sur nous, c'est pas un truc important pour le scénario? Pas faux. Moi, je dis dans le doute, on le garde. Ouais, on garde. Ça, jamais. Habituez-vous à cette photo. Vraiment. En avançant, on tombe sur une affiche qui parle des unités Falké, ou Falk, mais je vais dire Falké. L'unité de combat des réplicas. Mais t'es marrant, on n'a pas de pieds les réplicas. Ah putain. Ils ont des pieds genre... on pique, c'est... Les super armes de notre grande nation, dans le combat contre l'Empire. Ah, c'est des Falk. Les unités Falk. Falk. Les unités Falk, ça doit être des unités de combat, du coup. Ah oui. Et du coup, nous, on n'est pas des unités de combat, vu qu'on est juste censé être des réparateurs. Juste après, on tombe sur des documents... d'interrogatoire. Utilisation illégale d'une radio également. Résultat, décès pendant l'interrogatoire. Mais ils m'ont buté pendant l'interrogatoire. Je pense que l'interrogatoire c'est de la torture et si tu dis pas oui, tu meurs. Comme dans une belle dictature. Ah bah oui, c'est logique. Ils disent confession mais en fait c'est de la... Ah putain, ouais, c'est logique. Ouais.
C'est évanoui pendant l'interrogatoire, t'as raison. On se tabasse, étonnamment quand c'est moi qui joue c'est bien mieux. Combat. Ok. Franchement, tu vois, ça, c'est comme ça qu'on gère, ok. Calme, posé, bon. Même si je reçois les pires conseils de mon pote. Je sors toujours le flingue dès que t'arrives dans une salle. Ok, toi bien. Flingue. Non, toi bien. Metal Gear. Metal Gear. Les chiottes. Le mec qui va sortir d'un coin. Metal chiottes. La cabine est verrouillée, y'a-t-il quelqu'un dedans? Il est tout verrouillé. On se balade un peu dans la zone et on tombe sur l'ennemi qu'on a vu dans la cinématique plus tôt. Et j'ai un peu stressé, ok? Attends, avant de tirer, c'est quoi cette merde à gauche là? Boink! J'ai pas envie d'essayer de m'approcher de ce truc en vrai. J'ai pas envie de m'approcher de ce truc. Vivre sa vie. Oui. J'ai pas envie de m'approcher. Non. On va devoir passer devant un maman. Putain, c'est sûr, on va devoir passer. Mais en plus, regarde là, y'a de la merde là. Est-ce que je tire dessus juste pour tester? Je t'ai dit une balle pour voir si ça réagit. Ah. Ça n'a l'air de pas réagir, mais ça respire. Par là, hein. Bon, pas par là, hein. Ah. Après avoir fait Metal Gear pour esquiver les ennemis et garder mes balles, je retourne dans la salle du stress. Ah putain, j'avais oublié le truc. Oh, y'a un chemin là, espèce de fils de pute. Mais c'était dans le noir, je pouvais pas savoir qu'il y avait un chemin. Et je vais me répéter, hein, mais... Vous connaissez Metal Gear? C'est une biomécanique. Merde. Bon, bah, prépare-toi pour le fail. Et hésite pas à utiliser les. C'est passé! Metal Gear? Metal Gear, je t'ai dit! Après avoir géré cette zone avec brio, en même temps c'est normal, hein, je suis beaucoup trop fort, on décide d'aller sauvegarder. Oh, c'est Dark Souls ou quoi? Putain, j'aime bien le système de map qui se rejoignent, ça fait très. Ah putain, sauvegarde elle est tellement là-haut! Bon, ça va, en vrai. Ouais, mais en vrai, on va tellement perdre du temps si on meurt. C'est ça. Bah après, ça se voit que tu n'as aucune confiance en mes skills. Quoi? Ils peuvent se relever! Shit! Ça bute. Je vois que t'as aucune confiance en mes skills. Ça dégoûte! Pourquoi je me fais karma comme ça? Putain! Hey, laissez-moi être stylé deux secondes! Putain, casse tes couilles, ceux-là. Vas-y, laisse-moi sauvegarder, je pète tes couilles. Ça va buter de gueule. Fais-moi confiance, il y a un mec qui se connaît. Tu fais pas confiance en mes skills. Après cet instant de somme immense, on tombe sur une unité Storch, celle qui gère les ouvriers. L'équivalent d'une chef ouvrière, je suppose. Ah putain, c'est une go. J'étais pas vrai. Par contre, pourquoi c'est que des go? Très bonne question, mon ami. Malheureusement, je n'ai absolument aucune réponse. À mon avis, c'est pour deux possibles raisons. La première étant dans le lore, que l'on ne connaît pas bien encore, et la deuxième étant dans la vraie vie. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les deux personnes qui ont développé ce jeu, c'est-à-dire elle là, ont voulu inverser les genres sexuels habituels de fiction. Il est bien plus commun de voir une très grande majorité d'hommes dans les œuvres de fiction, alors pourquoi pas inverser les genres, juste pour changer les choses? Personnellement, je trouve ça cool, car jusqu'à maintenant on n'avait pas du tout fait mention de ça, ce qui prouve que nos mentalités ont un peu changé quand même. Même si là tout de suite on vient de dire « Pourquoi il n'y a que des go ?» Enfin bref, vous avez compris. Storch nous dit que c'est le bordel, que la commandante est malade et qu'elle ne va pas bouger d'un pouce et attendre les ordres. Tu es bien utile, meuf, hein. Après une Metal Gear ratée et un assassinat pour faire de la place dans l'inventaire, foutue règle des 6, on teste une nouvelle arme, le taser. Comment? Comme ça. Waouh, c'est super fort le truc jetable. Putain, ouais, je te jure. Oh shit, je savais pas que ça allait faire un... Ah, moi non plus, je m'attendais à un petit truc. Je pensais que ça allait juste faire bzzz. Oh, c'est quoi cette salle? Et voici la salle d'interrogatoire. On n'avait pas percuté sur le moment. Ramasser le spray de réparation. Putain, il bouge toujours. Non, merde. Je me suis fait ragar. Tasse. Je me casse, pas besoin. J'ai pris ce qu'il me fallait. Bêtise le son. Soigne tellement jamais, c'est nul à chier ce son, putain. Bêtise-le quand même. Mais regarde, je suis encore en jaune. Je suis toujours en jaune, c'est dégoûtant. Bêtise-le. Mais ça pue du cul. Ah. Après m'être fait ragar et avoir pris des soins de merde, on tombe sur la plaque de l'éternité qui... Oh, what the fuck. Oh putain. Il y avait un truc où fallait mettre tous les... Il m'a téléporté, hein? Quoi? C'est une vision. Non, c'est pas une vision, mec. Je te jure, je suis sûr que c'est la suite du jeu. C'est obligé, c'est la suite du jeu. Oh, c'est quand on était dans la neige, on est retour au futur. Ah putain, ouais, on était revenu dans... C'est une possibilité, en effet. En tout cas, on s'y balade un peu. Hey, il y a le tapis de Shining, d'ailleurs, et on débloque une porte grâce aux fréquences radio. On revient dans l'autre réalité... On s'en fout de vous. Cours. Yes, voilà. C'est bon, toi bien. Et on utilise la radio pour ouvrir un coffre. En prenant l'ascenseur, on a décidé de monter d'abord, juste pour vérifier. Et cela nous a permis d'apprendre qu'on allait avoir un fusil à pompe et de recroiser Issa Ito. Moi aussi je cherche quelqu'un. Ma sœur.
Si vous la voyez, vous pourriez lui dire que je la cherche. Vous êtes déjà demandé si vous étiez en train de parler avec quelqu'un pour la dernière fois sans le savoir? On a vraiment fait ce même regard. Oui. Non, en vrai, ça me tue parce que vu qu'on enregistre juste ce son, les gens ils voient pas, mais le nombre de fois on se fait des regards en mode. T'inquiète pas qu'au montage je vais le faire. Hein. Après ce coup de pression, elle nous explique qu'elle ne veut l'aide de personne. Elle en a marre de dépendre des autres et que c'est peut-être pour ça que sa sœur l'a quittée. Ah ouais, c'est la joie ici. Hein. Elle reste ici pendant que nous allons descendre de 2 étages. Putain, j'aime pas comment ça descend. Il est horrible cet ascenseur. L'ambiance. C'est vraiment le... Oh. Oh. Oula. Oula. Oui, c'est celle qu'on cherche. Oui, c'est celle qu'on cherche, mais... Oh. Coupure du courant, le système de contrôle redémarre. 4 retenues, merci de contacter l'administrateur. Ouvre la porte. Oh merde. Cerveau bionique. Yeah. Tu vois ce que je vois? C'est un fusil à pompe. Ah. On fonce vers le fusil à pompe, qui est dans une salle à sauvegarde, par ailleurs. Et on recommence avec d'autres photos. L'image, je pense qu'on peut la stocker. En vrai, ouais. Range l'image de... Bah en vrai, je me dis, faut la stocker, mais j'ai l'impression que tu la stockes, c'est hyper important et je sais pas quoi. C'est ça, il y a tellement de moyens qu'on se fasse niquer sur la stock. Ouais. C'est quoi, on la stocke pas? Moi, je dis, on continue de la garder. Vas-y, on la garde jusqu'au bout. Ça fera du lore. C'est du lore. Moi, je dis, on fait la run photographe. On se fait un défi à la con, on a une image, voilà. On a une c'est place. Sûr, c'est un trophée caché. Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas un trophée caché. En tout cas, on commence à arpenter le 3e étage et on arrive dans la salle de radiologie. On y voit ma future arme préférée ainsi qu'une main, un crâne et un morceau de cerveau avec un code dessus. Ça nous servira pour une énigme. Dans cette salle, c'était la galère. Il est tout dans la bouche. Le truc qui bouge là. Oh putain, moi je l'avais pas vu parce que je suis aveugle. Ah merde. Ah merde, putain, attendez. Mais non, on spam pas, je te dis. Non mais j'ai paniqué. Oh, putain. Oh, y'en a un qui vient de popper. Ouais, bien. Merci. Ciao, bisous. Un négociateur. Ouais, le mec, comment il change de voix pour faire genre. Non, mais c'est naturel, je fais même pas exprès. Genre, quand j'appelle mes darons, que genre je demande des trucs, je passe à la voix gentille. S'il te plaît, merci. Non, mais je te jure, j'ai. Oh putain, le froid. T'as pris le fusil du coup? Oui. Oh, j'ai pas équipé. Ouh, erreur de débutant, ça. Erreur. Ne jamais oublier d'équiper son arme, hein. Et fort heureusement qu'on a retenu la leçon. Après s'être perdu un petit peu, on remarque qu'on n'a pas fouillé le sud, donc on essaye de traverser la zone à coups de métal gear trop stylé car je suis un gros BG. Ah, oh, ça m'a touché, ça dégoûte. Oh, putain, là t'es dans la merde par contre. Ok, j'utilise. Fallait juste utiliser une balle de fusil. Arrête, j'avoue. Ah, mais bien évidemment que c'est pas la bonne. J'utilise le fusil là. Bon, ça pue la merde là, hein. On fouille la zone et on tombe sur une feuille pour une énigme un peu plus tard. Et on fouille. Oh. Puis on prend la clé de la salle de pompage. Plus loin, on trouve un soin qui nous met bien ainsi qu'une affiche de l'unité ARA. Pardon. ARA. Qui est l'unité de réparation polyvalente. En gros, c'est Daniel, le technicien qu'on appelle à chaque fois qu'il y a un problème informatique. Gérard, j'ai un petit problème avec le PC. Ah bah c'est normal, Ludivine, t'as mis le mauvais mot de passe. Ah d'accord, en fait, je suis trop con. pardon, j'ai vrillé, excusez-moi. Puis on parle encore de notre photo. Ça me tue comme on est dédié à la run photo alors que ça sert à rien. Ça sert tellement rien, mais on s'en bat les couilles, on le fait pour le plaisir. Ouais. On s'ajoute des difficultés parce qu'on est trop des pro gamers. C'est ça, regardez, depuis tout à l'heure on n'est pas mort une seule fois. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. You want moi? Ah! Comment ça t'as tanké? Oh putain, il a tanké 2 balles? Ouais, les ennemis sont vraiment chauds. Et le fusil à pompe n'est pas si balèze que ça en plus. On trouve un nouvel objet qui soigne dès qu'on se prend un coup fatal, comme une pierre de sage dans Pandora's Tower. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo s'il vous plaît, elle est vraiment bien, je vous jure qu'elle est cool. On tombe sur la suite du journal d'Alina. Elle décrit les premiers instants de la catastrophe de l'installation. Les gens se comportent bizarrement et personne ne lui dit ce qui se passe vraiment. Elle entend 2 unités Eul dire qu'elles n'ont plus beaucoup de personnel. Elle s'inquiète encore plus pour nous, car ça fait un moment qu'elle nous a pas vus. En avançant dans une autre salle, on tombe sur un document parlant de l'évolution de la maladie. Elles ne savent pas d'où elle vient, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se propage très vite. Autant chez les réplicas que chez les gestalt en plus. En très simple, la maladie réduit la vue, les capacités cognitives, etc, etc. Zombie. Voilà, pour faire très simple, zombie. Alors on va pas se cacher le truc, zombie. On continue notre voyage et on tombe sur une réplica et un coffre avec le symbole d'une épée. On pensait connaître le code, mais en réalité c'est bien plus compliqué. Car on a des numéros, mais le code est en lettres.
l'unité Hull nous explique qu'au début, seule la commandante Falquet était contaminée. Ce qui nous fait bader. Oh non, si les commandants tombent malades! Oh putain. Ça, c'est des boss. Après cette discussion, on fonce vers la salle de pompage et... Écoutez... Je peux être con des fois aussi. Pour drainer l'eau, assurez-vous que les cuves A et B disposent du même volume d'eau et que la cuve C soit entièrement vide. Quand la cuve A est pleine, voici comment gazer le réservoir. Remplissez la cuve B, puis remplissez la cuve C avec uniquement de l'eau venant de B. Déplacez l'eau de la cuve C. Je prends une photo. Non, mais ça sert à rien, je suis sûr, c'est un troll. La cuve A, remplissez la cuve C, mais que reste la cuve B, puis remplissez la cuve B avec l'eau de la cuve A, à nouveau, remplissez la cuve C avec uniquement de l'eau de la cuve B, déplacez l'eau de la cuve A, si vous faites une erreur et que vous bloquez, remplissez tout de la cuve A et recommencez. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut suivre les instructions, je pense. Moi je te le fais sans suivre, moi. Quand la cuve A est pleine, voici comment égaliser les réservoirs. Non, t'abuses, arrête. Ça va, merci. Je pense qu'il faut suivre les instructions. T'inquiète, je l'ai. Je suis un bonhomme, je fais la science. Oh là là. Je fais de la science, mec, je suis scientifique. Scientifique. La science appuie sur tous les boutons. Je suis pas loin, t'as moi, je suis pas loin. T'as deux boutons de retourner au début. Je suis pas loin. T'as un bouton de retourner au début. Je suis pas loin, je te dis. Hop là, regarde ça. Ah, bam, tu remplis là. Ouais. On met dans la cuve A, okay, je vais faire les instructions. Ok, attends, ok. Et bam. Oh, hey, je suis pas loin. Non, faut qu'A et B soient égales et que C soit plus petit. Je sais. Oh, non, ah, t'es revenu au début. Non, c'est bon, je l'ai. Agale. Attends. Bam, puis bam. Il va brute force l'énigme. Bam. Mais c'est chiant! Attends, putain! Attends, tu remercies Simpson qui fait du truc nucléaire là! Attends, je te jure, je suis bon! Attends, voilà, je suis bon! Putain, là c'est non, A attends, et C! Attends, c'est juste! Attends, c'est ça! Non, c'est là, C doit être plus petit et B! Parce qu'en gros, faut utiliser le fait que B soit plus petit pour pouvoir donner petit à petit aux autres, tu vois! Du coup, je me dis, là, B, bab, tu donnes un C! Eh! Inverse CA! Ah si! Si! Attends, B dans C! Et A dans. Non, C dans A! Voilà! Putain, voilà. Mais il a brûlé force! Ça a marché! C'est quoi cette. J'ai pas brûlé force, j'ai réfléchi! J'ai réfléchi, j'ai vu! J'ai faim le cul, allez! Je suis venu, j'ai vu! J'ai beaucoup, ok? Voilà! Aïe! Allez! T'inquiète, hop là, ça c'est pour moi ça. C'est le talent. Le talent, el talento de la caliente. Oui, je sais, oui. On descend à l'étage 4. Alors soit on drop... Pourquoi t'as drop sans même regarder la carte? Mais parce que de toute façon tu voulais aller où? Espace de transport maximal. Voilà. Pourquoi Vadim? T'inquiète, moi je suis un vrai gamer, tu vois. Pourquoi t'as sauté? Je peux tellement plus rien prendre. On peut plus rien prendre, avec les verres, on peut plus rien prendre. Putain, on va devoir remonter puis redescendre. Bon, pour faire court, on a fait un big aller-retour pour se vider les poches et... Et on a... Ah! Oh putain, j'avais oublié qu'il était là. Utilise tes balles. Eh, tu veux quoi la porte là? Tu veux quoi porte? Eh, j'ouvre la porte de chirurgie là, comme là, je veux moi. T'éclater là? Ah ouais. C'est vrai que c'est chiant qu'on garde la photo à chaque fois sur nous. Ouais, mais le drama. C'est le drama, on va pas enlever ça quoi. On garde notre cœur humain sous ce corps de réplica. On fait des runs défi à l'arrache. Ah ouais, on fait des runs défi, on en a rien à foutre. Quand on est redescendu, on s'est rendu compte qu'il y avait une sauvegarde juste à côté. Ah putain, c'était en bas. Oh, mais il y avait une sauvegarde juste là. Putain, on a fait tout le temps pour rien, on casse les couilles. Des fois, la vie nous aime pas, vous savez. Putain, mais c'est Zosberg vraiment. Ah fuck. La run photographie là. On la garde. Elle est avec nous là. Et là on sauvegarde. Jo, si ça débloque vraiment un truc, je suis content. Et si ça débloque rien, j'ai le seum, mais je suis content quand même. Content quand même. Oh oui, je suis sûr, vas-y, il y a un trophée caché là, non? Ouais. Au moins. Allez, faites pas vos putes. On s'est pas handicapé juste pour le lore. Hein. Ouais, s'il vous plaît, on n'est pas des salopes. On est des salopes. Il y a toujours pas de trophée. On fait de notre mieux pour se balader dans cette zone, remplie d'ennemis absolument partout, et aussi remplie d'objets à énigmes. Je crois que c'est bloqué. Putain, c'est chiant. Oh là là, c'est une zone trop dure là par contre. What the fuck. C'est une salle de l'enfer quoi. En vrai, s'il n'y a pas d'autres ennemis... Wouhou. On est proche. Prends la cassette. Ok. Wouah. Ah, c'est fermé. Valkis, ce qu'on fait, c'est que tu vas dans la sauvegarde, tu poses des affaires, tu retournes là, tu vas chercher les balles, tu les poses et... Attends,
D'abord lui. Tu fais peur. Tu fais peur. Ah, parce que lui, c'est un gros robot, c'est pour ça. Oh, la vache. Fait, bam bam. Ok, pro gamer. Gaming. Gaming. Ah, oh, je me sens si fort là. Alors que on va se faire péter le cul. Péter le cul, je vous dis. Péter le cul. Puis encore une fois, je pète un câble. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Je suis un bonhomme. T'es sûr de ça? Oui. Si on meurt. Jamais je meurs. Ouais. On a décidé Deathless Run Photograph Only. Pourquoi je dis ça? Ok. Le regret. On commence à résoudre la plus grosse énigme de la zone. Ici, on doit mettre 5 clés de chaque élément. Pour l'instant, on n'a que l'eau. Dans la salle TV, on met une cassette qu'on a trouvée. Cassette canard lavé. Dire vagabond. What? Wow, oh, c'est putain, c'est de la ville. Waouh. Ouais. C'est drama sa mère. Ah ouais, là, ça, là c'est du lore, tu comprends pas et tu vas devoir mater une vidéo. Ah ouais, là c'est du vrai lore là. Oh putain, regarde, c'est les CFF. Ah, c'est une clé vierge. Et bim, imagine, tu peux pas le garder. Clé d'or. Clé d'or. Ok, c'est un c'est truc qu'on aura besoin ce après. Truc de... Tu débloques du lore. Ah, ah non, c'était juste pour débloquer les lore. Oh. Et de deux. On apprend aussi qu'on peut combiner les petits sons avec les moyens pour en faire des grands. À la Resident Evil, en somme. Wouah, Resident Evil, t'es un bâtard. À la Resident Evil, en somme. À la Resident Evil. En somme. On trouve par ailleurs comment mettre le code du coffre épée. Truc de l'épée trop bizarre. Ok, ça, c'est un truc qu'on va devoir comprendre. Putain! Oh, c'est le code! Et on trouve la clé de l'air. Puis mon pote... Ouais. Ouais, bon. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu vas où? J'ai juste pas envie de le voir. Tu vas où? Je fais une petite pause. Ah! Pause café, pause café. Ah! Il en a marre de moi. Ah! Puis on écrit le code, ce qui nous donne la clé pour l'incinérateur, où on y trouvera bien évidemment la clé de feu, ainsi qu'un œil qui nous permet de prendre des photos. Ça nous servira bien plus tard dans le jeu. On retourne à la salle et on y met toutes les clés. Ça sent la merde. C'est un boss, putain, on est un boss. Ok, alors tu poses tout, tu prends un fusil et le pistolet, et t'équipes le fusil, et tu prépares les tasers. On se prépare pour aller sauter le boss. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas morts une seule fois. Et je compte bien garder ce compte à zéro. Wow. Ah, modèle Masher. Oh, c'est un modèle de combat. Oh, c'est sûr. Oh, ah, okay. Il tire à travers le fils de pute. Ok, putain, faut connaître, faut le connaître. Qu'est-ce que c'est? Oula. Waouh. Ah, donc il y a des hommes. Adler. Adler. Oh non, c'est lui. C'est qui lui déjà? Mais c'est celui qui donne tous les directives du jeu. Oh putain. Une visite. Vous nous prenez au dépourvu à une heure un peu fâcheuse. Comment puis-je vous aider? Je cherche une gestalt. Une ouvrière de votre installation? Laissez-moi voir cette photo. On a bien fait de la garder! Ouais. Bien sûr! Aline Aseo, ça doit être l'une de nos ouvrières à l'usine. Cependant... Ouah! Wesh! Vous n'auriez pas dû revenir. Quel bâtard! Oh lololol! Le méchant! Ça se voit. It's calling me the song of a god, a red eye in the sky. Oh putain, ça c'est les trucs que t'as dans le machin d'analyse. Putain, une animation! Wesh! Oh, et là on joue elle? J'ai dû m'assoupir en attendant Erika. On avait prévu d'aller emprunter quelques livres ensemble à la bibliothèque. En fait, il te raconte pas tout d'un coup et t'es bombardé de... Ouais, et tu sais qu'il y a des trucs où tu vas devoir te mater une vidéo pour comprendre. Hein. En fait, tu peux t'imaginer les grandes lignes du scénario. C'est ça. Et si tu veux vraiment du détail, tu peux t'amuser à faire pause dans des cinématiques pour analyser et tout. Ça, ou te concentrer sur les livres, hein, je pense qu'il y a des trucs. Et là, ça va pas s'assiner. Il y a des gens. Putain. Ouh, ils sont bizarres les gens. Oh là. Oh, bully. Oh, ils sont en train de bully, non? Non. Laissez Alina tranquille. Enfin, Erika, du coup. Ah, c'est celle qu'on cherchait. Ouais. La blonde.
Oh. Ah. Ah. On a fait descendre aussi. On est au cinquième. Putain. Eh, hey, ça va? Bof, bof. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ces derniers temps j'ai vraiment une sensation bizarre. Comment ça? Genre, quand j'essaie de dormir la nuit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à côté de moi qui me colle, etc. Genre, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression qu'on me suit. C'est vraiment chelou. Carrément, à ce point? Ouais, je sais pas. J'ai rien de précis qui vient de là. J'ai juste l'impression, genre, que on essaie de me rappeler quelque chose, mais il y a rien qui vient. Et toujours cette sensation bizarre, quoi. C'est juste une sensation ou ça, tu sais si c'est quelqu'un ou... Je sais pas. J'ai juste l'impression que ça me suit partout et ça me tend et ça me... C'est pas agréable. Et t'aurais besoin d'aide, peut-être, ou... Ouais, pourquoi pas, mais comment tu peux m'aider? Ouais, bah là, de tête, je me dis, en vrai, on pourrait sortir dehors, et je t'accompagne. Comme ça, je sais pas, tu regardes s'il y a encore un truc qui te suit et tout. Et si jamais tu commences à te sentir mal, bah, je serai là pour t'aider, si jamais. Pas mal, c'est une bonne idée. Ouais. En plus, comme ça, on pourra se balader, et juste discuter et chiller. Ouais, chouche. Let's go, let's go. Vas-y, on se fait ça. Welcome to the cinquième étage. On va très vite descendre d'un étage encore. Cette zone est liée aux étages 5, 6, 7 et 8. Ça en fait beaucoup. Pour cet étage, ça va aller vite, car vous comprenez un peu mieux comment fonctionne la structure du jeu. La boucle de gameplay est très efficace jusqu'à maintenant. À chaque étage, on découvre une nouvelle zone qu'on va devoir explorer, avec des documents disséminés par-ci, par-là et des ennemis à vaincre. De plus, comme mon ami le relève... Le sound design. Oui, je suis d'accord. Genre, juste... Tu vois, là, t'as l'ambiance en mode comme ça, et là, t'as... T'entends le switch entre les deux? C'est trop cool. Et là... Oh, et juste ça, c'est bien foutu, quoi. C'est tellement ASMR, oh là là. Le sound design est excellent. Dans cet étage, on découvre des zones remplies d'ennemis, ce qui nous force à Metal Gear. Et on trouve aussi un document qui parle des unités Star, en donnant plus de précision. Elle fait 2m20 Et là, tu réalises que depuis le début, ils font tous 2 mètres. Bruh. What the hell? La modèle standard. D'accord, c'est standard, ça. Ouais. Elles sont des spécialistes du combat. Ce sont elles qu'on surnomme les Protectors, en règle générale. On a également le dossier... Ara, qui nous explique qu'elles sont les réparatrices. 1m85. Damn, elles sont grandes. Et elles sont considérées comme étant les abeilles de la ruche, en quelque sorte. En descendant d'un étage, pour aller à l'étage 7, on tombe sur une cinématique où Adler semble agresser Issa. Adler fait croire à Issa qu'il est là pour l'aider, mais... Bien évidemment... Étrange. On tombe également sur cette affiche, qui taise. Par ailleurs, c'est dans cet étage qu'on va le plus en apprendre sur le monde qui nous entoure. Mais on y reviendra au moment voulu. Pour l'instant, on voit un document à propos de Falke, la fameuse commandante. Bien évidemment, elle fait 2m50. Oh mon dieu. Et c'est la chef des troupes d'attaque Réplica. Falke est l'autorité quasi-divine de chaque secteur, et elle est secondée par un Adler. C'est-à-dire le salaud qui nous a balancé d'un étage. En marchant plus loin, on tombe sur Falke, qui est sur son lit, très mal en point. Sûrement à cause de la maladie qui se propage dans l'installation. On peut y lire son journal. Elle parle de sa peur, de combien de temps elle va tenir, et elle parle aussi de l'œil rouge qu'il a désigné. Quoi ? Elle explique que son esprit semble contaminé, comme si elle disparaissait. Puis à la fin de son journal, elle parle d'une fille aux cheveux blancs. Attends. Ariane Young ? Sur sa poitrine, la Falke possède un étrange objet, qu'on ne sait pas comment ouvrir pour le moment. On tombe encore sur un autre dossier, l'unité Mina. Hé ! C'est celle qu'on a vaincue en tant que boss, non ? Elle fait 2m60 et est, avant tout, utilisée pour les travaux miniers. C'est la chef des mines, en quelque sorte. En trouvant une nouvelle sauvegarde, on prend la clé de la chouette, sûrement liée à ce que tenait la Falke. On y trouve aussi un document à propos des Eules. Les Eules sont les unités de la vie de tous les jours. Elles sont sociables et amicales avec tout le monde. Elles se font surnommer les chouettes. Ah oui, chaque unité possède un lien avec un oiseau. Falke, c'est faucon. Eul, c'est chouette. Mina, c'est le Maynat, ou Maynat, je sais pas comment ça se prononce. Ara, c'est Lara. Je suis obligé, les gars, je suis obligé, bref. Lara, comme Lara bleue, et d'ailleurs, Elster, ça ressemble à ça. On n'est pas trop choupi en vrai. D'ailleurs, c'est plutôt ironique qu'elles aient toutes des noms d'oiseaux alors qu'elles ne sont pas libres et vivent littéralement dans un système totalitaire. Enfin bref. Les Eules sont celles qui gèrent les tâches ménagères, etc. Elles font 1m75 d'ailleurs. Presque ma taille. Moi je fais 1m78 pour info. Je sens qu'Elster fait ma taille.
Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle fait ma taille. On ouvre une porte grâce à la clé de la chouette et on y trouve une cassette qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Au 8ème étage, on trouve cette salle qui nous donne tout le système solaire, ce qui nous permet de parler plus précisément des différentes planètes du système. Bouyan est une planète où vit la flotte impériale, au-dessus d'un gigantesque nuage toxique. Rodefront, une lune gelée... Attends, est-ce que c'est la planète qu'on a vue au début du jeu ? Heimat, abritant le gouvernement de la nouvelle nation... Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il y est dit qu'il a de beaux paysages à offrir. Leng, là où se situe Sierpinski, et donc nous en ce moment même, donc on est sur la planète la plus reculée du système. C'est génial. Kitez, le désert rouge, et la flotte impériale le détient. Si je comprends bien, la flotte impériale, donc l'Empire, est notre ennemi. Ok, je comprends mieux maintenant. Notre ennemi se situe littéralement au centre du système, donc. Puis la dernière planète, Vineta, une planète océanique qui a subi les ravages de la guerre. Elster dit également qu'en fermant les yeux, elle arrive à réentendre le bruit de la mer. Donc Elster est originaire de Vineta ? Intéressant. Dans cette salle, on tombe sur le dossier d'Adler. Très intéressant. Voilà ce qu'il nous dit. Il fait 1m75, comme les Eules, et il est l'administrateur de l'installation. C'est le vice-président de l'endroit, en quelque sorte. Il est le bras droit de Falke et est capable de gérer toute l'administration d'une installation à lui tout seul. Chiche. Bon, au final, on n'a pas tant appris que ça sur lui, hein. Cette pute. En arrivant dans cette pièce qui nous donne une clé, on tombe sur un document parlant des Colibri, une nouvelle unité encore inconnue au bataillon. La personne qui a écrit cette lettre dit avoir vu Colibri et une de ses illusions. D'accord. Puis on nous parle d'un tableau avec une île, comme la clé qu'on vient de prendre à l'instant. Et on a un aperçu de Vineta. Ça a l'air beau quand même. Puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas enregistré nos voix. Oui. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, il n'y avait pas d'extrait, en fait. Salut, on est de retour après 20 ans où ça n'a pas enregistré. C'est chiant. Vous avez raté toutes mes vannes, du coup, je vais pouvoir les refaire. Et voici, c'est voilà. Dans la barre. Et on commence avec la première vanne. Allez. Oh, quel connard. Le chéri. On tombe sur des nouveaux ennemis qui ont un pouvoir bizarre. Pour les vaincre, il faut changer sa fréquence, puis ensuite les tirer dessus. On insère la clé de l'île dans ce tableau, ce qui nous permet de difficilement atteindre l'atelier. Et ici, on tombe... Encore ! ...sur un dossier qui parle des problèmes connus à propos des réplicas, à cause de leur schéma neural dû à leur conscience d'ancien Gestalt. Pour faire simple, Star a un gros ego, melon sa mère. Elle ne supporte pas voir les autres se faire promouvoir et pas elle. Storch est une grosse impulsive, faut lui apprendre le calme, sinon elle tombe facilement dans la violence et la cruauté. Ah ouais, c'est une bully quoi. D'ailleurs, la fatigue commence à se faire ressentir. Autant dans la voix off que dans la réalité. Hein. Je possède des chips. Chips. Chypre. Hein ? Chypre, la ville. Ouais. Bien rattrapé, Walgis. Très très bien rattrapé. Putain, quelle règle de merde. La règle des 6. C'est un privilège. Mais on peut pas casser les privilèges juste 2 secondes. Ta gueule, c'est un privilège. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas fait en plus. Yes. Hey. On n'a pas fouillé ici. Ah bah voilà, Reaper. Hyper belle, let's go! Okay. Étage 6. On fonce vers la zone plongée dans le noir et on trouve un stand de tir avec 1000 fois trop d'objets. Du coup, on peut rien prendre. Donc, strat de merde. Ah, mais il faut une clé pour l'ouvrir. Ouais. Peut-être que c'est la clé de chasseur qui ouvre la caisse de fusil. Je vais croire en ta théorie. Yes! Oh, j'avais raison! Revolver, sale pute! En plus, on a pas la place. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon arme préférée. Puis après Metal Gear, c'est Mission Impossible. Je vais tirer dessus. Fais du bourg. On insère la cassette et on a enfin la possibilité d'avoir une musique incroyable sur notre fréquence. C'est parti pour le lac des cygnes. Pour moi, ça permet juste d'avoir de la musique d'ambiance. On peut aller chez la Falke avec cette musique et... Bon... on est con quoi. Ça me fait repérer ou pas? Je suis sûr que oui. Je teste. Ah, ok, ça me fait repérer.
Falcon Bedroom, vas-y, on va la réveiller. Eh, salope, réveille-toi. Je pensais à ça. Oh, tu te réveilles ou quoi? Eh, il est l'heure de se réveiller. Tu sais ce que je vais faire. Je vous sentais pas au micro. Ah, j'ai vraiment regardé en mode. Bien sûr. Bien sûr, mon gars. J'y vais comme ça, rien à foutre. La la. Ah, le mur. La 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 la. La 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 la. La la la. Mais j'ai pu te réveiller, toi. Oui. Wesh, c'était ça. La 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 la. Mais c'est parce que la musique qu'ils aiment en fait. J'ai compris pourquoi fallait faire ça. Ta théorie, elle a marché, let's go. Wesh. Bon bah c'est avec le colibri. Oh putain, ça a marché, j'y crois même pas. La 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 la. C'est qu'à base j'ai vraiment fait ça comme une vanne et je me suis dit ah non en fait. La 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 la. On part donc à serrer la clé du colibri, ce qui nous ramène dans cette salle dans laquelle on trouve ce dossier. Parlons des problèmes connus avec les unités Eul et Ara. Les Eul adorent la musique, elles sont sociables, etc. Mais le plus important c'est qu'elles sont basées sur une danseuse de ballet. Incroyable! Pour les calmer et les empêcher d'aller mal, il faut simplement leur mettre de la musique. Par contre, elles sont très à cheval sur leur apparence, donc il faut fréquemment mettre des miroirs à disposition pour qu'elles puissent se voir elles-mêmes. Les Ara sont très strictes. Non mais, sans déconner, entre Ara et Zara, non mais... Wesh. Les Ara sont très strictes. Elles ne supportent pas les gens qui ne font pas les choses correctement, ou qui ne suivent pas les règles. Cependant, elles s'expriment calmement et correctement pour partager leur mécontentement. Les Ara et les Eul s'entendent plutôt bien, car elles se complètent. Les Ara ont malgré tout besoin de calme, sinon elles peuvent se renfermer sur elles-mêmes. Pour cela, donnez-leur des plantes et de la lecture. En avançant, on tombe enfin sur Colibri. Ouh, t'es stylé. T'es stylé sa mère, Colibri, t'es stylé. Peut-être, mon cher, mais en tout cas, Colibri est une unité très spéciale. Tête. Elle est toute petite. Unité. Oh. Colibri est la pro de la biorésonance. Toutes les fréquences et les transmissions, elle les reçoit. Colibri est capable d'amplifier une fréquence ou autre pour aider la commandante Falquet. Colibri est la chef de la transmission et de la biorésonance en quelque sorte. Elles sont très fortes, car elles peuvent manipuler les esprits réplica et gestalt. Et comme dit la phrase... De la véritable conscience collective biorésonante. Oh, putain. Oui, oui. Madame est l'incarnation de la conscience collective. What the fuck. On prend la clé de l'aigle, c'est-à-dire la clé d'Adler. D'ailleurs, dans la salle d'après, on se rend compte que les ennemis bizarres qui nous font jouer avec les fréquences radio... Bah c'est Colibri en fait. Voilà. Après un peu d'exploration, on tombe sur une nouvelle salle, qui risque d'être la dernière zone, et... Wow, t'as sprinté mon ref. Ah, merde. Oh oui. Oh oui, ils sont bons. Lol. On arrive dans la chambre d'Adler, ce qui nous permet de lire son journal. Dans la troisième page, il parle d'un rêve qu'il a eu. Un souvenir de Gestalt, peut-être? En tout cas, il a cru voir une femme aux cheveux blancs. Ariane? Mais pourquoi? Il lui faisait deviner des planètes sur des jeux de cartes astronomiques. Par la suite, il dit avoir communiqué avec un nouveau type de réplica ingénieur avec un plastron orange. Elster? Mais c'est pas rouge. Il dit ne l'avoir jamais vue et qu'en plus, elle n'est répertoriée nulle part. Donc c'est peut-être pas Elster en fait. Par la suite, il s'attriste à cause de la condition de Falquet. Elle s'affaiblit à cause de la maladie. Adler commence à sentir les effets de la maladie sur lui. Il se demande pourquoi il n'y a aucun renfort. Et c'est une bonne question, oui! Que se passe-t-il sur les autres planètes du système? Il détaille à quel point l'installation s'effondre à cause de la maladie. Et c'est la fin de son journal. Après ce moment, on fouille un peu plus la zone et on tombe sur le dossier. Oh, les Elster, enfin! Enfin, un truc sur nous, merci! Diter, Alimi. Ok, Elster. Alors, type cosmopionnée spécialiste de la génération ça. Je le savais qu'ils allaient faire ma taille. Pardon. tout le long, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'elles font ma taille. Oui, en effet, elle fait ma taille. Enfin bref, les Elster sont une unité ingénieuse de combat. Elles sont surtout spécialisées dans la maintenance, mais savent se battre. Elles sont ce qui se rapproche le plus d'une survivaliste. En effet, c'est un peu plus logique maintenant qu'on le sait. Par ailleurs, les Elster sont les seules unités à avoir un schéma neural différent, car le schéma a été perdu. Elles sont donc produites à partir d'une unité décommissionnée du programme Penrose. Donc il y a un moyen qu'il y a pas mal de soucis dans notre schéma. On débarque à la bibliothèque et on tombe sur le document parlant des problèmes connus de Mina et d'Adler.
Mina est une crème qui peut tantôt être soumise, tantôt être très maternelle. Pour qu'elle se sente bien, on peut lui donner des animaux en peluche, tout en évitant de donner des chats, pour pas réouvrir des souvenirs de Gestalt. Adler, de son côté, est un solitaire. Il travaille mieux tout seul. Il devient émotionnellement très dépendant de sa commandante. En gros, c'est un gros simp. Voilà, c'est dit, un gros simp, putain. Cependant, ils sont faciles à contrôler mentalement, donc aisés à manipuler. Juste après, on a les problèmes de colibri qui sont vraiment vénères. Elle est très instable. Et si elle se sent mal, elle transmet son mal-être aux autres grâce à ses pouvoirs. Cependant, elles sont tout de même entraînées à faire gaffe. Malgré tout, si plusieurs colibris commencent à se dégrader, il faut vite la remplacer, car sinon elle risque de ramener tout le monde dans sa tristesse. Puis on parle à colibri. Tu es qui, toi? Tu ne fais pas partie de notre personnel. Les autres, ils ont changé. Le football, il a changé. Nous ne chantons plus à l'unisson. J'avais la capacité de voir dans leur esprit. Nous étions un. Ensemble, nous les guidions tous. Mais désormais, je n'arrive plus à comprendre leurs pensées. Je n'ai jamais été aussi seul. Ils sont encore ensemble, et je suis là, dehors. Et ils ne me laisseront pas entrer. Je n'arrive plus à supporter leurs chants. C'est le seul endroit où je ne suis pas obligé de les entendre. C'est le seul endroit où je suis en sécurité. Je ne peux pas continuer comme ça. J'aimerais devenir comme les autres, moi aussi. Au moins, je ne serai plus seul. Je hais cela. Je hais cela. Et bah putain, c'est la joie avec elle. J'ai envie de me suicider. De toute façon, on va tous gagner. La vie, c'est vraiment trop de la merde. J'ai énormément envie de mourir. On fait une petite énigme et on obtient... Oh, c'est le rond jaune. C'est le truc du tout début. L'astrolabe nous permet de reconstituer le système solaire afin de débloquer l'ultime secret de Adler. Et voyez-vous, le système bouge. C'est chiant, n'est-ce pas? Oh, si seulement on avait un objet qui nous permettait de faire des screenshots. Oh putain, c'est du génie. Putain, il y a un système pour prendre des captures d'écran et regarder dans le jeu. Pour c'est incroyable. Pour l'énigme, mon gâté. Toujours. Là. Comme ça, là. Ah, nice. Oh. Journal du sanctuaire, 11 pages. Ok, putain, d'accord. Du lore. Et du lore, on en aura pas mal. On y retourne. Adler s'est acheté un nouveau journal et se fait royalement chier. Il continue également de simper sur Falke. Attends, je suis en train d'imaginer un mec de 1m75 qui simpe de fou sur une meuf de 2m50. Ouais, c'est Harry Potter. Durant une réunion avec Falke, il a senti comme un sentiment de familiarité. Un souvenir de Gestalt? Plus le temps passe, plus il devient paranoïaque. Sûrement à cause de la maladie. Il est tellement ailleurs qu'il en a oublié de noter les bonnes dates. Il a écrit plusieurs fois la même date dans ses précédentes pages. Il commence même à perdre la mémoire. Il ne se souvient plus des anciennes pages qu'il a écrites. Il semblerait aussi que la commandante soit morte. Ce qui expliquerait pourquoi il perd la boule. Il est tellement perdu qu'il a l'impression de voir des versions alternatives de ce qui l'entoure. Dans la page 9, je crois qu'il a pété un câble. On dirait qu'il essaye de compiler tout ce qu'il voit et entend. Puis il décide de se barrer dans la mine. Ça promet. On quitte l'endroit et prenons l'ascenseur. Direction la mine. C'est parti. Illuminatat. Attends, capital, c'est un chapitre? Ouais. Attends, on est chapitre 2. Oh, il s'est... Oh. Ouh, putain, il s'est fait tabasser par la terre, là. Je sais que vous êtes là. Ouh, il a... Pompe. J'ai déjà fait ça de nombreuses fois. Pousse. Let's oh, go. Nice. Bien joué. Bien joué, meuf. Oh, putain, ça a l'air de partir en couille. Oh, merde. Oh, la mine. On est dans la mine. Ah, putain, c'est vraiment... Ah, putain, oui. Oh, ça, c'est salaud. Nous voilà dans la mine. C'est pas très accueillant, ici. Entre les ennemis qui vous rôlent dessus et la fumée toxique, je comprends pourquoi tout le monde pense qu'Alina Seo est morte. Oh putain, il y a les reflets et tout. Mais ce jeu est beau en plus. Ouais, hein. Ça m'étonnerait pas qu'on vraiment là on arrive sur la fin du jeu. Oui, bien sûr, mon gars, c'est la fin du jeu, mais oui. Regardez le timecode vite fait. Ouais, je me disais aussi. Avec mon pote, on se balade dans la mine. On chope un pistolet lance-fusée ainsi que la suite du journal d'Alina. C'est pire que ce que je pensais. Tout le monde a disparu. Je n'ai toujours trouvé aucune trace d'Elster. C'est comme si elle n'avait jamais été là. Quelque chose ne va pas avec les protecteurs. Enfin, ceux qui sont encore là. Une garde m'a aperçu plutôt sortir furtivement de l'aile médicale, et elle a lâché un hurlement monstrueux en me pourchassant. Ah, la première fois qu'elle rencontre des... Ok. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu son visage. Je n'arrive pas à en chasser l'image. On aurait dit qu'elle avait eu un horrible accident. Plus loin, on tombe sur un... What? C'est un ascenseur. Oh merde. Oh putain, j'ai eu peur. Wouh.
Let's go. C'est bon, ils ont pensé aux gens comme nous. Ça marche trop bien, mec. C'est parfait. On fouille un peu plus et on voit... Oh putain, elle m'a fait peur, gros. Oh putain. Ça va? Ah, bonjour. Vous n'êtes pas une protector, si? Qu'est-ce qui vous amène ici? On m'appelle Béo. Si vous êtes là, c'est pour... Oh, c'est que vous cherchez probablement quelque chose. Je vous aiderai bien, mais un de mes systèmes hydrauliques est défectueux. Et je ne peux pas bouger. Je suis foutu de toute façon. Laissez-moi ici. C'est inutile de réparer une vieille unité comme moi. Ne vous souciez pas de ça, d'accord? Ce serait du gaspillage de ressources. Ne vous souciez pas de moi, il y a beaucoup de remplaçants. Nous sommes toutes des répliques après tout, n'est-ce pas? En fin de compte, quelle différence fait une... Oh. Quelle différence fait une goutte dans un océan? Quand je mourrai, ils fabriqueront une autre, moi. Ah, oh. Merci de prendre la peine de parler avec moi. Oh. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Il décrit... Personnalité que c'était décrit, c'est la même. Ouais, vraiment, la même personne était décrite, c'est ce que j'allais dire. Par contre, elle est vraiment impressionnante. Là, tu sens vraiment qu'elle fait à 2m60. Ouais, vraiment. Putain, gigantesque. Attrapé, je fais 1m78. Hein. Mon dieu. Bon, on peut arrêter de nous couper la parole, là? Bon. Donc, je disais que c'est... Wow. Putain, il y a beaucoup. Ouais, là. C'est zone de fin de jeu. C'est vraiment zone de fin de jeu. Oh putain. T'abuses. Non. Vraiment, non. T'abuses. Non, je veux pas mourir, j'ai fait une deathless run, s'il te plaît. Ah. Ok, je pense qu'on a trouvé où on doit. C'est le boss. On s'est fait piéger, non. Putain, on s'est fait piéger. Ah non, attends, je peux descendre. Bon. Après ce moment de stress, on arrive dans les profondeurs de la mine. Avec un peu d'appréhension, on finit par sauter dans l'énorme trou. Wouhou! Oh, ah! Alina, c'est ancien souvenir. C'est celle qu'on cherche. Ouais. Dans cette timeline. Enfin, quoi que ça veut dire. Wow! Les phases 3D, j'avais oublié que ça existait. Putain, c'est vrai qu'on avait une phase 3D. What? Attends, là, on sort de la grotte, on est dans un autre lore. Sur cette plage, il y a plein de feuilles éparpillées partout. Chacune d'entre elles nous disent des phrases ultra cryptiques. Et de toute façon, même si on essaie de comprendre ce qu'il se passe, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Ah! Putain, putain, ça m'a fait peur! Putain, moi aussi! What? Je suis sûr, tu vois, tous ces... Ouais, c'était la chute. What the... On a eu des flashbacks ou des trucs... Nous sommes arrivés dans ce que j'appelle l'enfer. De la chair de partout, c'est rouge partout, tout le monde semble mort ou contaminé. Bref, rien ne va ici. Après avoir traversé cet enfer, on arrive à notre point de sauvegarde. Sauvegarde. Oui. En fait, j'ai l'impression que c'est la zone. En fait, je sais pas s'il y a plusieurs fins à ce jeu ou pas. Alors, oui, il y a plusieurs fins à ce jeu, qui sont basées sur plusieurs paramètres. Combien de temps on a mis à le finir, combien de fois on est mort, il y a également le nombre d'ennemis que vous avez tués, le nombre de fois que vous avez rechargé une partie, le nombre... écoutez, je vous mets la liste là, voilà. Il y en a une chier, voilà. Il y a 5 fins différentes à ce jeu, et peu importe sur laquelle on tombera, ce sera notre fin. C'est quoi cette merde? Quoi? C'est de la chair? Oui, ceci est de la chair. À vrai dire, tout le dispositif de cet endroit est étrange. Il y a des codes à trouver, des notes cryptées, des ennemis très difficiles, etc., etc. Résumer cette zone, c'est comme résumer la mort. Donc, soyez gentils avec moi, je vais rusher cette zone, hein? Mais après, car là, on doit sauter dans le vide. Je suis sûr qu'il y a un boss de fin secret. Qu'il y a juste besoin de gagner du temps en fait, je suis fin de capter. Essaye de m'attraper. On dirait un kebab. Je te jure. Gun. Ok, putain, j'ai dépensé toutes mes balles dans un... je suis teubé et j'ai compris que trop tard, je suis con. Oui, j'ai perdu beaucoup de balles dans cette merde. C'est pas grave. Ça va? Non. Attends, on a pas fini le jeu? Regardez le timecode de secondes. Bref, Issa est safe et nous continuons de nous balader. Ici, il n'y a pas vraiment de l'or. C'est juste de la souffrance et des... Je te jure, j'ai passé dans tellement...
différentes phases de suite. Je l'ai tiré dessus, il a pas bougé, j'étais en mode mais fils de pute de jeu de merde. Non mais la façon dont il est tombé gros. Ce qui est, tu vises, tu tires, il y a un silence. Oh putain. Et là il tombe vraiment de la manière la plus ridicule. Je te jure que j'avais craché sur le jeu encore là, j'allais fumer sa race le jeu, j'allais dire mais fils de pute, comment ça, ça marche pas. On enchaîne des situations difficiles et certaines énigmes reloues, comme à ce moment-là où mon pote savait que cette bouteille allait nous servir à réveiller Issa, alors que j'étais persuadé que c'était pour encore une autre énigme. Putain, qu'il est bon ce con, mais oui. Merci, heureusement que t'as une meilleure culture que moi là-dessus. Ah, c'est vous, Elster, c'est ça? Merci pour votre aide. Vous avez trouvé qui vous cherchez? Non. D'ailleurs, après ça, on était tellement bloqués que je suis littéralement devenu fou. Qu'est-ce que tu fais? La folie. Écoute, j'essaye, d'accord? I believe in love again. Call me when you want. Et derrière le corps, genre là où il y a la... Call me when you want, call me when you need. Call me when you want, bombs going on the scene. Metal Gear. Ouais, tu es moi, ouais. Je hais cette zone. Et Issa a disparu. Donc la folie le retour. Issa, t'es où? Issa. Marrant parce que je connais Issa. Issa. Je pense pas qu'elle soit là. Je commence à faire des cris étranges. Là, je commence vraiment à faire des cris étranges. Ouais, je m'épare pas sans nous, Issa. Hey girl. Ramène-nous à la maison, comme la coupe. Ramène Issa à la maison. Allez, Elster, allez. Putain, j'en peux plus. Oh, la folie. Comment ça, vous m'avez déjà repéré, bande de salopes? Mais c'est dans la folie qu'on a des éclairs de génie. Nous sommes restés bloqués sur cette énigme depuis au moins 30 minutes. Quand soudain... Attends, zoom. Est-ce que ça change les yeux sur l'écran derrière? Ça change. Ouais, c'était ça. Regarde, il commence à s'exciter de plus en plus. Là, il fait le symbole. Putain, t'es fort! Yes! Et là, il fait le symbole. Ok. Oh! Relou l'énigme! Mais maintenant qu'on a tous les codes, des salles cachées, je suis sûr qu'absolument rien de bizarre nous attend. Oh, encore, il y a des ennemis de fou, mec. Il y en a trois, gros. Il y a trois ennemis, frère, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est la zone de fin de jeu. Je hais ce jeu de merde. Ouais, c'est ce genre de zone, ouais. Bon, détournons-nous un peu. Mon pote a une petite anecdote. Un jour, il m'arrive une draguille, il faut que je la raconte. Vas-y, vas-y, raconte. J'aime bien écouter une loupe de Portal pour quand je fais des genre de la 3D. Ah, genre une musique. Le son de Portal, tu sais, la loupe de Portal. Ça, voilà. Ah oui. Et du coup, à chaque fois, je la relance. Et au bout de 5h20, regarde qu'est-ce que le mec, il a mis, ce sale putain de troll. Il a mis ça. Alors, imagine-toi, moi, en train de taffer, et d'un coup, bam. Je te jure, c'est long en plus. Là, je l'avais sur mon autre écran, oui. Je savais pas il était où l'audio. Et genre vraiment pendant 2 minutes, tu étais en train de paniquer avec mon casque. Mais putain, ça vient d'où cette merde? Oh mon dieu. Oh putain, je vais devoir mettre ça en montage. Non. Ah bah tu peux couper. Ah je pense dans 1h30 on a fini. Mais je suis sûr on a fini dans 1h30. Okay. Je suis sûr on a pas fini dans 1h30. Et si, on arrive. Et nous, timecode les enfants. Ouais. Bien. Là, dites-vous que ça fait facilement, quoi, 8 heures de jeu qu'on a joué, ok? Vous vous rappelez du fait qu'on n'était pas mort une seule fois dans le jeu? Merde. C'était la petite statue. Dommage. Déjà, on est déjà autant de... Oh, je me suis pris deux coups. Oh, c'est bon, je suis deux, je suis en vie. C'est ça, tire. Est-ce que tu sors? Non. Oh, le PD, non. Il a pas marché. Putain. Oh non. Je suis dégoûté. Oh, c'est ça le problème Game Over. Si le problème persiste, merci de contacter Unité Replica. Appuyez sur une touche pour redémarrer la boucle logique Replica. Quoi? Oh putain. J'avais réussi à faire une Death Note. Aïe aïe aïe. J'ai envie de pleurer. Plus jamais je ne vais aller dans cette salle de merde. Je suis baisé. Non, c'est bon, je suis pas mort.
putain, mais t'as vu où elle est, du coup, t'as vu, elle est sur la chaise. Du ouais, coup, tu vu, vas. J'ai ouais, j'ai vu, j'ai c'est vu. C'est pas tu dois avoir de la chance une fois, c'est tu dois avoir de la chance deux fois. Oh putain. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Puis quand il y a un problème, eh ben il y en a encore. Car cette énigme-là nous demande d'aller chercher une anneau de merde dans la salle de la mort de merde. J'ai envie de canner. Après avoir rechargé la partie, j'ai retenté une énième fois. It's time to be a bitch. I'm gonna destroy your ass. Prends. Je peux. PV, mais on a la bague. Je peux. On est dans la merde, mais au moins... Yes. Ah, putain. Il a raté, cette pute. Gros doigt, ta mère. Oh là là. Gros doigt. Sans mon doigt. Sans mon doigt. Putain. On est en train de mourir, mais on a la bague. Voilà. Puis après quelques péripéties et une intense joie d'enfin retrouver des soins... Soins. Oh. Soins. Ah. Oh. J'ai qu'une balle. Et là... Merci. On trouve un autre morceau du journal d'Alina. Cette page explique que sa mémoire s'embrouille. Elle ne sait plus où elle est, ni combien de temps il y est. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là que ses cheveux sont devenus blancs. Qu'ils sont devenus blancs ? Alina Seo et Ariane Young, oh, vous êtes les mêmes. Tous les mêmes. Mes amis, après cette ultime révélation, il est temps d'atteindre la fin du jeu. Voici la zone qui va nous libérer de cette zone de mort. Oh, c'est ici ! Oh ! Ah ! Oh, merci. Quand je la regarde, ma tête me fait mal. Et moi, quand je la regarde, ma tête est remplie d'espoir. Ouais. Sauvegarde, sauvegarde. Non, je pose l'ensemble d'abord. Non, non, sauvegarde d'abord, on sait pas ce que je ça fait. Je pose l'ensemble. Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Sauvegarde, t'es mort. Je vais d'abord poser l'ensemble. Non. Let's go. Non, sauvegarde. M'en fous. Il est malade. Je pose l'ensemble. Il perd la boule. Je pose l'ensemble, puis après, je sauvegarde. Mais après. Il est en train de perdre la boule. D'abord, faut finir le travail. Et après, on a le réconfort. Putain. Y'en a marre. Ah, oui. Donne-moi ça, oh, sale bâtard. C'est ça, t'avais raison, sale bâtard. Plaque de l'amour. Oh, oh l'amour. Putain. Baisse-moi, oui. Hein, 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 ah, hein. Il est en train de perdre la boule. Il est en train de perdre la boule. Je perds, je prends de l'amour. 6. On va tout vider, c'est l'ultime moment, c'est maintenant, je te dis Vadim, oh, c'est la fin du jeu, j'en ai rien à foutre, je peux pas savoir Vadim. Je suis sûr et certain qu'on en aura je encore pour deux heures. Je peux pas savoir. Je sais qu'on va, on va finir cette partie aujourd'hui, parce que je m'en fous, videz tout, videz tout. Nous partons poser les 6 plaques, nous permettant de voir la fin du jeu. Plaque du sacrifice. Plaque de la stabilité. Je m'attendais à ce que ça fasse un son drama, mais ça fait juste... La plaque de l'amour. Oh, ça fait trop penser au même où il y a un caillou qui bouge. Plaque de la chair. La plaque du savoir. Allez. Et la plaque de l'éternité. Putain. Parce que l'amour est éternel. Du coup, tu sens un truc ou pas? Un peu, c'est éloigné, je dirais. C'est pas vers ici, quoi. Ok. Bizarre. Genre, j'ai juste l'impression que c'est dans une autre zone, quelque chose. J'ai quand même l'impression que c'est là, mais c'est pas là, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Ok. Ah. D'ailleurs, t'as ramené des chips? Ah, je les ai laissés chez toi. Non, t'as laissé les chips chez moi? Non, en plus, je crois y a Carlos qui a tout bouffé. Putain, il a bouffé le reste. Mais t'avais pas de l'ice tea en plus? Je crois qu'il est fini aussi. Je dis pas que c'est lui qui a fini l'ice tea aussi. Je sais pas, peut-être. Putain, sa mère. Il fait chier quand même. J'ai soif, gros. Putain. On passera à un magasin en fait. Oui, bah si on retrouve. En même temps, j'ai envie de te dire à cette heure-ci, je suis pas sûr qu'on retrouve beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Frère, c'est dimanche soir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, mais je sais pas, il y avait de la lumière au loin, je me disais peut-être c'est ouvert. Ouais, ouais. En plus, il est vieillot ce magasin. C'est vrai que c'est particulier quand même. Ah ouais, ouais. On dirait que je suis sûr qu'il y a des fantômes, des trucs bizarres maintenant. Justement, en parlant de ces trucs là, tu sens encore un bail là ou. C'est plus fort qu'avant, je quand même sens plus une sensation. J'ai plus l'impression que c'est là, mais ce qui est très compliqué à décrire comme sensation, parce que c'est comme si t'étais observé, épié, suivi, mais y'a rien. Et genre, je tourne la tête, je fais ah, y'a rien.
Et genre, j'ai l'impression de perdre la boule, c'est horrible. Ah oui. Je suis pas si taré que ça. Non. Mais non. Non, bien sûr que non. 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 Du tout, jamais. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Du Nord. Oh. Il est impossible d'aller plus loin. Je suis allé là-bas tant de fois, mais je ne suis jamais revenu. La commandante n'a jamais parlé de ce qu'elle avait vu là-dehors. Mais je suis sûr que quoi que c'était, c'est ce qui l'a rendue malade. Quelque chose avait changé en elle quand elle est revenue. Qu'est-ce qui attend au-delà du seuil? Cela n'a pas d'importance. De elle, je suis sûr. Ah, je t'attends. C'est un bug dans les robots. Elster. C'est toutes les versions d'Elster. Ah, putain, c'est toutes les versions d'Elster. C'est toutes celles qu'on avait jouées aussi là. Ouais. Je nous attends. Ryan Young. Ouais, ça c'est la première photo qu'on avait vue, si jamais. Ah, c'est toujours le même endroit à chaque fois. Putain, c'est tous les mêmes souvenirs et du coup ils se retrouvent tous. Cette fin, tu te dégoûtes. Apparemment, toutes les fins, t'as le seum. Toutes les fins, t'as le seum ? De ce que j'ai vu. Vraiment ? Ouais. Oh putain. Et c'est ainsi que se termine Signalis. Prenons le temps de faire quelques théories, car mon dieu que ce jeu est énigmatique. Tout d'abord, parlons du... Vous avez vu le timecode, hein ? Wow! Oh, les salauds! Attends deux secondes. Je savais que c'était un troll. Non! Réveille-toi! Non! Je savais que c'était un troll! Non, je... C'est pas le même vaisseau? C'est pas le même vaisseau? Tu crois? Oui, je te jure, je connais l'intro par cœur, je fais le montage. C'est pas le même vaisseau? C'est pas le même vaisseau. C'est le vaisseau qui a essayé de rentrer, genre avant. Le jeu n'est pas fini, mec, vas-y. Hein? Continuons.
Nous voici dans le vaisseau où vit ou vivait Elster et Ariane. Il y a également un dossier qui parle des cycles. On apprend qu'un cycle est l'équivalent d'une journée sur la planète Vineta. Donc on va supposer 24 heures comme sur Terre. Puis on tombe sur un dossier très important. Les problèmes connus de Elster. Les Elster sont une unité qui s'adapte très facilement et qui sont fiables. Cependant, il ne faut pas trop interagir avec elles et les laisser tranquilles. Leur schéma neural est celui d'une ancienne soldate Vinetane, habitante de Vineta, la planète océanique qui a connu la guerre. Donc Elster était une soldate. Pour éviter que les souvenirs Gestalt refassent surface, il faut éviter de parler de la guerre en leur présence, de montrer des films qui parlent de guerre, de montrer des photos ou de leur faire écouter de la musique. Ah ouais, pas ouf le bail, hein. Mais pourtant, elle a beaucoup de souvenirs de peinture. La dernière phrase est importante aussi. Il faut éviter d'être ami avec elle. De plus, juste après, on voit un document écrit par Ariane, qui trouve trop mignon le fait qu'Elster possède un accent vinétane, comme Issa et Eri. Issa et Eri ? Ariane connaissait les sœurs Ito ? Et d'ailleurs, elle adore écouter Elster lui parler de l'océan. Ça la fait rêver. Trop chou. En avançant, on tombe sur une salle avec un tableau. Ariane est une artiste. Elle a également laissé une note. Elle pue le somme de ne plus avoir assez de peinture ocre, ce qui fait marrer Elster. Oula, c'est étrange d'imaginer Elster rigoler là. Elle dit aussi qu'il y a plein de livres, mais que c'est surtout des livres techniques. Il y a également des films, mais la moitié parle de guerre, donc Elster n'aime pas, et l'autre moitié c'est de la propagande. Pas zinzin quoi. Genre c'est, tu choisis Splatoon ou Mein Kampf. Splatoon, j'ai dit, putain, Splatoon. Je me suis dit, pourquoi t'as dit Splatoon? Splatoon, mec. Imagine, t'as des flashbacks du Vietnam quand tu regardes Splatoon. Quand tu joues à Splatoon 3. Tu sais, tu comprends, tu vois des peintures partout. Peinture partout. Peinture rouge. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Alors, allons voir Ariane. Oh, l'or. Oh. Elster. Wesh. Oh. Oh, gros câlin, genre. Tu es debout ? Pas se lier d'amitié avec le... Elle vient de m'embrasser. Oh. Jamais, hein. J'ai pas vu parce que je suis aveugle, mais... T'as vraiment pas vu, genre, elle vient vraiment de faire... Oh, c'est notre anniversaire des 3000 cycles. Putain. 3000 jours. Attends, laisse-moi te mettre de la musique. On avait dit non. Mais de toute façon... En fait, ils font tout ce qu'il fallait pas. Bah, ils s'en foutent. Ouais, ouais. L'amour avant tout, t'as vu. Attention. Ah, ah, oh, on revient. Wesh. Oh. On se mouvoit difficilement dans cet état. Et on prend quelques notes sur le passage. Des notes qui nous semblent être des questionnements de panique dus à la douleur. Comme si on écrivait au bord de la mort. Puis on croise quelque chose. C'est quoi cette merde ? C'est elle-même, c'est une autre Elster. Ouais. On prend le contrôle d'Elster, on va au fond du vaisseau et on tombe sur un trou géant. Vous savez ce qu'on doit faire. Oh. Oh, on est de retour ! Nous voici à nouveau sur la plage avec toutes ces feuilles éparpillées sur le sol. On lit ces pages qui sont toujours aussi cryptiques. Elles parlent de rester ensemble pour devenir éternel. Selon moi, elles évoquent l'amour. Quand le jeu devient nous. Par contre, pour mon pote... Moi, je pensais plus à la masse de chair et peut-être c'est une intelligence collective. Ah. Moi, je l'ai pris de manière plus poétique. Moi, je passais du jeu à nous. Ah, l'amour. Mais oui. J'étais en mode, oh putain, des alliés. Deux mondes. Ouais. Vraiment deux mondes. En tout cas, on continue d'avancer. On tombe sur une note qui redit la même chose que l'intro. Je sais pas comment l'expliquer. Puis on arrive à ce bateau qui nous fait penser à la barque qui nous emmène vers le monde des morts. Ah.
Gestalt der Fall. Capital 3, c'est chapitre? Oui. Putain, c'est capital. On a loin d'avoir. 3. Comment ça, 3? Wesh. On est revenu à Sierpinski? Nous sommes de retour à Sierpinski, bien après notre premier passage. La chair putride et palpitante a pris le contrôle de l'installation. On essaye de traverser toute la zone du mieux qu'on peut. C'est efficace. Oh la vache. Encore un trou. Allez, on y retourne. C'est comme si tout était démantelé. Et réassemblé. Par quelqu'un qui ne comprend pas comment ça fonctionne. I have become whole again. Je ne porte qu'un masque. Oh mon dieu! Oh putain! Wow, nouvelle zone! Voici la dernière zone du jeu, pour de vrai. Nous sommes à Rotfront, c'est-à-dire la planète glaciale qui fait office de lune. Dans cette zone, il y a beaucoup de lore et beaucoup d'ennemis à la fois. Je vais faire au mieux pour trier. Premièrement, on tombe sur une salle dédiée au Ito. On trouve une mitraillette ainsi qu'un PC qui nous donne des infos sur les gens. On trouve une sauvegarde et on commence notre expédition. Les ennemis sont plus relous dans cette zone. Oh, y'a ben... Putain, y'a ben un petit... Oh... C'est puissant. T'es puissant. C'est what? C'est pas puissant. Il a tanké. Ah, il a un bouclier, c'est pour ça qu'il est chiant. Ah, c'est juste qu'on voit pas. Non. Ah! Ah, t'es chiant. C'est trop dur de les gérer maintenant. En effet, c'est trop dur de les gérer maintenant. On va devoir être plus stratège et plus Metal Gear pour vaincre cette zone. En marchant, on tombe sur une affiche qui demande de poucave quand on voit des signes suspects, bien évidemment. À l'étage du dessus, il y a une salle plongée dans le noir. Et devinez, il y a combien d'ennemis là-dedans? Cette salle, trouver du matos, ça. On arrive à s'en débarrasser et on tombe sur du lore, un document volé pour être précis. Elle parle de comment les réplicas sont conçus. Pour faire simple, on prend des héros de la nation avec un mental exemplaire. On en fait des réplicas d'eux pour répandre leurs talents dans des copies, puis on les supprime des registres pour que personne ne se souvienne d'eux. Sympa le concept. De plus, les réplicas n'ont aucun souvenir du donneur, donc ils peuvent agir comme leur gestalt d'origine sans avoir à se souvenir de ce qu'ils étaient avant. Donc pas de galère avec des traumas, des pensées divergentes, etc., etc. Par contre, il est toujours possible que des stimuli fassent ressasser des souvenirs gestalt. Donc les réplicas sont surveillés par biorésonance, et si on remarque quelque chose de bizarre, ils doivent tout de suite être remplacés. Bon, on va speedrun, car il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Je sais plus ce qu'il y avait. C'est la guerre. Il m'a tapé en se relevant, putain. Viens, tu me vois pas. T'es chaud, tu me vois pas. Là, tu peux courir. Évidemment. Bah, là-bas, c'est ouvert. Évidemment. Putain. Wouh, tout esquivé. Haha, bande de salopes. D'ailleurs, on nous parle aussi du Mondfest, une fête nationale qui va être annulée pour que les gens travaillent plus. Ah, le totalitarisme. Puis rebagarre. Wesh! Bouge! On finit par trouver des objets nous permettant d'avancer les énigmes de la zone. Une disquette bleue pour ajouter des fonctionnalités du PC, et de l'acétone pour libérer une carte coincée dans un tableau. Sûrement réalisé par Ariane quand j'y pense. Oh, l'amoureux! Ramasser l'amoureux. Qu'est-ce que c'est une carte, genre? Une carte de tarot représentant le 6ème arcane majeur, l'amoureux. On va devoir trouver d'autres cartes comme celle-là pour avancer dans cette zone. Et... Attends, Adler, il avait parlé du fait qu'il jouait aux cartes avec Ariane Young? Et c'était des cartes de tarot sur l'astrologie? Je sais pas ce que je dois faire de cette info. Je le pose là. On a finalement décidé d'être un peu plus Metal Gear cette fois-ci. Je viens essayer de passer en sticky. Yes. C'est fermé. Je suis Snake, sale pute. On utilise notre disquette et on gère des fréquences afin de pouvoir ouvrir une boîte qu'on a trouvée plus tôt. Yeah. 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 Mec, on dirait les musiques, tu sais, genre Doom version MIDI, genre. Ah ouais. Oh la tech. C'est la tech. Ah. Et là, il y a une autre carte de tarot. Que de la boutique. Parfait. Et c'est quoi? Ramasser l'étoile.
Bah, ça fait plaisir. Après avoir vibé et ramassé la carte de l'étoile, on possède la clé de la boutique des Ito. Bon, je vais vous passer les allers-retours, mais dites-vous que... on part en couille. Encore. J'ai une énorme teub... Bref, du coup... J'étais sûr qu'elle allait partir comme ça. Évidemment. J'ai une très très grosse maison, elle est vraiment très jolie. Et j'habite en Roumanie. Drop down, bitch! Let's go. Oh ah l'enfoiré! Il a niqué ma vanne! Mais si on peut! Remets la musique! Putain, il m'a trahi! Zan. Je sais pas ce que ça veut dire. Attends, il y a une cinématique. Oh non, c'est bon. Oh, il y avait un robot. Il y avait... C'était Alina, je pense. Nous descendons d'un étage, on y trouve la carte de la tour. Et... cet étage est un peu... compliqué. Wow, vous êtes beaucoup. On entre dans la salle photo. On y trouve des photos intéressantes. On peut y voir Alina Seo, ainsi que Ito. Laquelle ? Je sais pas, mais sûrement Lilith. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça bizarre ? Alina ressemble à Ariane, voire même peut-être que c'est elle, et Lilith ressemble pas mal à Elster. Peut-être même que c'est elle ? Ouais, utilise la photographie. Qu'est-ce donc ? Ramasser le soleil. Ah, encore des cartes. Parfait. On obtient donc la carte du soleil, et de 4. Ainsi que plus de connaissances. Ariane Young serait donc une gestalt au pouvoir biorésonant surpuissant. Peut-être même que c'est elle qui a contaminé l'esprit de tout le monde ici. Aucune idée. J'aime bien. T'as remarqué comment mon perso il devient de plus en plus... Wow. Elle c'était assez honnêteté de photographie. Ouais, à chaque fois qu'on prend une carte de tarot, un objet important, il y a la chair qui commence à développer. Ouais, c'est étrange. Après un peu de Metal Gear, on arrive dans cette salle de sauvegarde. On obtient une clé, ainsi qu'un nouveau passage. Très galère. Ah, oh non merde, je l'ai tapé. Je suis où ? On part utiliser la clé qu'on a trouvée et elle nous donne accès à la salle des cartes. C'est ici qu'on doit déposer nos cartes. On quitte la zone pour arriver dans la salle des papillons qui nous pose une colle, malheureusement. On doit trouver un mot de passe, mais là tout de suite, on n'y arrive pas. On finit par trouver la disquette rouge, qui nous permettra d'avoir une fonctionnalité en plus dans notre PC. On prend un petit raccourci pour descendre d'un étage. On insère le disque et on part pour une grosse session de lore. Oh, du lore. En plus, rigolo, il y a les 3 points du colibri. Pulmonaire chronique, sclérose multiple, insomnie. Téléchargé. Donne-moi tout. Oh oui. Oh. Et tout. Que, ah putain. Ah, mais c'est la même. Pardon, excusez-moi. Madame, vous êtes mon style, mais malheureusement, vous êtes dépressif. Je ne pourrais pas accepter. Alors. Mes frères, on dirait toi en meuf. Mais va te faire foutre, non! Même physiquement! Mais wesh! Je suis pas un putain de. Laisse-moi te pécho, t'es biologiste, c'est bon. Tu connais, tu sais bien comment ça marche, ça, non? C'est vrai, il ressemble à Adler! Y'a pas Alina Seo. Rien n'est tout seul. Toute seule, pardon. On met le code des Ito et on se retrouve dans les backrooms. Littéralement, c'est les backrooms de leur librairie. Puis on tombe sur un livre interdit qui est, ma foi, bien intéressant. Ce livre parle d'un son qui lie tout le monde. Peu sont ceux qui le remarquent et encore moins sont ceux qui n'en ont pas peur. Beaucoup pensent que la grande impératrice possède la capacité de contrôler ce son qui nous lie tous. Ce serait comme ça qu'elle aurait réussi à guider l'Empire Eusien jusqu'aux étoiles. Oh, c'est Issa. Oh, j'ai eu peur. C'est Issa. Oh putain. Je n'ai pas réussi à la retrouver. J'ai cherché partout. Mais elle n'est plus là. Je ne peux pas continuer. Je suis désolé. Te tire pas une balle, meuf. Non. Viens faire câlin. Non. Non. Wesh. Elle se transforme. Non. Non. Non, et ça ? Issa est morte, dissoute, sous nos yeux. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de la sauver. C'était... son destin. Dans cette salle, on y trouve des documents comme celui-ci. Ici, je trône, je forme des hommes à mon image.
une race qui me ressemble, pour souffrir, pour pleurer, pour jouir et pour ressentir la joie, et pour te mépriser, comme je te méprise moi. Slay, Slay. Celui-là, on va le vesqui, car on connaît déjà. Sauf pour la dernière phrase qui pose une bonne question. Si c'était réellement un cadeau divin venant de l'espace lointain, comme l'a prétendu feu l'impératrice, elle est morte, pourquoi a-t-elle été vaincue par notre grande révolutionnaire dénuée de tel pouvoir divin? Ah. Oh non. Oh non. Isolde, du coup. Erika, celle qu'on n'arrive jamais à capter. Et en bas. La carte. Ramasser la mort. Oh putain. Évidemment. On ramasse la carte de la mort et on quitte l'endroit. Il nous reste plus qu'une carte à trouver et pour cela, il faut résoudre l'énigme de la salle des papillons. Mais avant, un peu de lore. Encore. Je sais. Est-ce que si je cours... Oh, le lore bouge. Le rouge, sa mère. Ah, je l'ai vu pour l'or. J'ai vraiment agi comme DiCaprio, sa mère. Non mais je te jure, il a vraiment fait... Oui, j'ai vraiment fait ça, frère, c'est terrible. L'œil rouge, mais oui, c'est le truc que la Falky parlait. Pour faire simple, l'œil rouge est un phénomène naturel sur Roadfront. Mais pour les gens, c'est devenu un symbole d'oppression, comme l'œil du gouvernement qui surveille les citoyens. C'est un effet de pareil de lit, c'est-à-dire quand on croit voir quelque chose qui n'existe pas, comme un visage dans de l'encre, par exemple. Il y a également une coutume où les parents donnent des ration marks, c'est-à-dire ration de nourriture, avec de la peinture rouge, qu'il faut enlever par la suite. On reprend notre route vers la salle des papillons. Et cette histoire de pareil d'Oli m'intrigue pas mal. Qui était dans cette salle, qui savait c'était quoi pareil d'Oli et qui était, du coup qui venait de rentrer. Ah, ta. Pardon, excuse-moi, je voulais pas, je viens de me rappeler un truc. Hein. Il y en a quatre, ils sont pas genre les quatre d'une couleur différente? Ah, mais l'appareil d'Oli... Il y a des lettres. Oh putain. B, c'est un B ou c'est un A? Je sais, A. Ah, j'irais plus A, ouais. A, ça c'est quoi? C'est, il y a des E. E, A, E, O. N. S. S ou N, ouais. A-E-O-N. Aeon. Je suis content qu'on ait trouvé ça. Putain, gros cerveau là. Oh, putain, on est chaud. Et la dernière carte. On prend la dernière carte, qui est la lune, et on peut enfin se rendre à la salle pour poser toutes les cartes. Attends, ça. Voilà. Grâce à ça, on peut ouvrir le dernier passage de la zone. Ah. C'est pour ça que tu... Nice. Comme ça, j'ai pu... Voilà. Ah. Here we go, pire. J'ai l'impression qu'il... Oh, ce trou me rappelle un truc. Oh, moi aussi. Quoi? Mec, c'est la salle de l'intro. Oh mec, c'est la salle de l'intro, sa mère. Oh putain, le lore. C'est tellement le même. Il y a les livres. Il y a le drapeau, frère. Oh putain. Il y a le corps. Mec, je suis choqué, sa mère. Ouais, nous sommes vraiment choqués, sa mère. On remarque que le coffre possède des cadenas. On ne sait pas comment l'ouvrir. Sûrement pour la véritable fin. En tout cas, ça nous concerne pas. Ariane adorait lire ça. Oh putain, maintenant ça change des descriptions. Ça change des descriptions. Ouais, parce qu'au début c'était juste des livres d'une série impériale. On n'a pas le droit de le lire, c'est un truc comme ça. Ouais, ça. Ah, le trou s'est refermé, évidemment. Le dernier scellé a été arraché. C'est l'heure de rentrer. Oh. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Ça sent le boss de fou. Note de Tata. Tata? Ariane, j'ai... On est chez Ariane. Nous sommes effectivement chez Ariane. Sa tante nous explique qu'il faut garder au moins un emplacement d'inventaire. Pour une... bonne raison. On trouve également un autre document qui parle de sa candidature pour rejoindre l'armée, et que si elle n'est pas prise, elle travaillera dans les mines de Sierpinski. Plus loin, Ariane avait reçu une lettre de sa mère. Elle parle d'Alina Seo, qui lui ressemble fortement, ce qui est étrange. Cela confirme qu'Alina et Ariane ne sont pas la même personne. Puis, un peu de préparation avant ce qui semble être... la fin. Ça fait bizarre, j'ai vraiment le sentiment de... Et c'est la fin. Du jeu. On est vraiment sur la fin du jeu, c'est pas une vanne. Montre le timer de la vidéo. Timer de la vidéo? Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. C'est parti. Le jeu lui-même le dit. C'est la fin. Il nous a déjà fait le coup. Je viens de te dire une chose, c'était très bien comme let's play, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'était très rigolo. C'était très très rigolo. Avec des deux gros cerveaux là. Deux gros cerveaux, beaucoup de lore. Qu'on n'a pas toujours compris. C'est genre, on va pouvoir me battre la vidéo de 7 heures qui explique tout le lore. Je te jure. Et on y va avec les armes que j'ai toujours utilisées pour tout le long du jeu. Pistolet, revolver. Pourquoi avoir plus gros quand on peut avoir plus efficace? Allez, go. Aïe aïe aïe.
L'ambiance est pesante. On sent que c'est la fin. Encore maintenant, on ne sait pas quelle fin nous allons avoir, mon ami et moi. Mais en tout cas, on est prêt à la voir. Sur la route, on tombe sur des notes, comme toujours. Une note d'Adler qui explique que tous les efforts fournis pour contenir la maladie ont été vains. Puis une note qui semble être une compilation de faux haïkus, d'une personne qui décrit ce qu'elle voit autour d'elle. Ses souvenirs qui se cassent, une île hors d'atteinte. Est-ce que ce serait Elster qui a écrit cette note? En tout cas, la dernière phrase est étrange. Je ne puis dire où se termine Falke et où commence Elster. Quoi? Falke et Elster sont les mêmes? Bon, de toute façon, cette vidéo n'a pas la prétention d'expliquer tout le lore, hein. D'autres personnes l'ont déjà fait. Avançons. Après une lettre qui nous dit qu'à chaque fois qu'on vient ici, on échoue et qu'on devrait faire demi-tour, bien sûr qu'on va pas le faire, on trouve une ultime lettre. Souvenir de Falke. Nous dansions sur cette chanson pour laquelle ils ont lancé la diffusion. Nous nous sommes endormis devant ce film. C'est Ryan. Danser. Oui, oui, c'est Ryan, oui, c'est ce qu'on a vu. Bah, Falke et machin. L'autre note aussi, ça parlait d'eux, du coup. Si seulement je pouvais nous ramener à cette époque, quand nous étions heureux. Ces souvenirs sont les miens désormais. Soit Ryan est une Falke, ou sa conscience a été transmise à une Falke, soit nous étions une ancienne Falke. C'est étrange, mais au moins, on est sûr de qui on va croiser juste après. Allez, il est l'heure. Pourquoi es-tu revenu? Il n'y a rien pour toi ici. Évidemment que le boss final, c'est une Falke. Elle ne dansera plus jamais avec nous, quoi qu'on fasse. Elle ne veut même plus de nous. Yo! Nous sommes incomplètes, nous deux. Puissions-nous redevenir entières? J'ai tellement pas envie de faire un boss fight. Wow! Oh, c'est devenu tout. Oh, ouais. Non, je suis dead. Putain. Ah. On sait au moins à quoi il ressemble. Putain, je suis mort deux fois. Casse les couilles, putain. Casse les couilles, mon gars. Casse les couilles. On va pas me baiser le cul. Je suis mort deux fois, pas trois. J'avais 203. Ta gueule. On y retourne et cette fois, on meurt pas. Max. Thank you.
Tu es revenu. Tu as vraiment envie de recommencer ça? Tu sais ce qui se passe. Ce monde ne peut pas endurer beaucoup plus. C'est peut-être notre dernière chance. Si tu y retournes, tout va s'effondrer. Et je ne peux pas le permettre. Le selfish monster. On retombe sur un vieux document qu'on avait déjà lu, puis en avançant, on tombe sur celui-ci. Ariane explique qu'elle a voulu quitter son monde factice, où tout le monde faisait semblant d'être bon. Elle se demandait aussi si Elster, ou Falke, c'est pas très clair, était également heureuse. En tout cas, avoir tout abandonné semble avoir été le bon choix pour elle. Par la suite, elle parle d'Elster, et du fait qu'elles soient les deux simplement ici car elles n'ont pas trouvé leur place. Au début, elle était contente qu'Elster soit distante, mais ça a fini par changer. Sa présence lui a apporté plus de joie qu'elle croyait. On sent également son ennui qui s'installe. Elle a passé 648 jours dans ce même vaisseau. Ah, Briefing Penrose, phase 3. Félicitations, camarades, vous avez survécu 3000 cycles, atteignant la phase finale du programme Penrose. Avec la fin approchante de la durée opérationnelle de votre unité réplica... Quoi? Oh non... Ah, elle devait être genre désactivée le truc en mode... Avec la fin approchante de la durée opérationnelle de votre unité réplica... Ah, les réplicas, au bout d'un moment, ils s'usent. Et il marche plus. Peut-être. Il est temps de vous préparer pour la phase finale de votre mission. Si à ce stade vous n'avez pas trouvé de monde habitable où atterrir, rendez-vous à l'évidence, vous n'en trouverez plus. Consolez-vous avec l'idée que d'autres ont pu réussir là où vous avez échoué. Il est au contraire préférable de faire votre paix intérieure et d'accepter votre destin, Wesh. Nous suggérons de demander à votre réplica, tant qu'elle est fonctionnelle, de vous épargner une lente agonie ou à défaut d'opter pour un repos permanent dans le caisson cryogénique. N'oubliez jamais que vous mourrez au service de notre nation en ayant pris part à cette glorieuse démonstration de notre puissance. Fin de la transmission décryptée. Oh merde. C'est vraiment pas la joie. Ariane a échoué sa mission et le gouvernement lui dit « Tant pis, maintenant on va mourir, on a les données nécessaires pour nous !» Horrible. Après 1294 jours, elle a fait un rêve où elle écoutait de la musique avec sa mère et où elle voyait le livre du roi en jaune. Elle a vu ce livre chez les jumelles, donc les sœurs Ito. Elle n'a pas pu l'acheter car ce livre a été confisqué. Après 1840 jours, sa routine commence vraiment à la bouffer. Elle connaît tout par cœur dans ce vaisseau. Elle en peut tellement plus, elle veut sortir, prendre de l'air frais, ressentir le vent. Puis après 2503 jours, elle se sent vieillir, s'affaiblir. Elle a du mal à réfléchir et à se concentrer. Ses cheveux virent au blanc. Elle a l'impression de mourir peu à peu. Cycle 5. 1000, il était censé arrêter à 3000. Ça me fatigue, tout ça. Chaque fois que je vais me coucher, je me demande si je me réveillerai. J'ai peur que ce soit la dernière fois que je lui dirai bonne nuit. Je lui ai dit comme il faut. Est-ce qu'elle s'en sortira? Et si l'une de nous se réveillait pas demain? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas vivre non plus. Tout est tellement exténuant. J'aimerais juste m'allonger et disparaître. Je veux juste dormir. S'il vous plaît, laissez-moi dormir. S'il vous plaît, faites arrêter ça. S'il vous plaît. Putain. What the fuck? Juste après, on tombe sur le cadavre d'Elster, qui a fini par être hors d'usage après 3000 cycles, donc 3000 jours. On sent avec la lettre d'avant qu'Ariane se sentait de plus en plus seule. En même temps, sa seule compagnie et son amour s'est éteint après 3000 jours. Il serait temps d'aller la voir. Wesh. Cryogénisation. Ouais, ça fait cryogéniser. Ah putain, elle ressemble à Falke. C'est ouais. pour ça, d'accord. Elle ressemble à Falke en fait. Ça va pas. Wakey, wakey.
Elster? Je n'y arrive pas. Tu dois le faire. Oh non. Non. Oui. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Bref. Il est temps d'en finir. S'il te plaît. Je connais l'allemand, bien sûr. Et c'est ainsi que se termine, réellement, Signalis. Ce jeu était incroyable. Encore ? De quoi ? Non, c'est juste que j'ai déjà vécu beaucoup de trucs ici. Il y a quelques années, j'ai rencontré une fille qui n'avait pas de prénom. Elle me semblait familière. Elle me rappelait une fille de l'école primaire qui passait plus son temps à l'hôpital qu'à l'école. Tout le monde l'appelait la fille de l'hôpital. Et la fille sans nom avait fini par disparaître devant mes yeux, à un moment important. Comme un... mirage. Puis l'année dernière, j'ai rencontré Jade, une amie qui faisait des recherches sur ce tunnel. Ensemble, on a essayé de résoudre le mystère de cet endroit. C'était un tunnel qui créait des illusions. Tous ceux qui avaient joué à Pandora's Tower sans le finir et qui regrettaient amèrement une personne, finissaient par y voir quelqu'un ici. Comme l'illusion d'un ami perdu, ou... d'un amour d'enfance. Et ça s'est fini comment ? On a résolu le mystère. On a même retiré la malédiction du tunnel. Donc, logiquement, il n'y a plus rien de bizarre ici. Enfin, j'espère.